Et les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog edition3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Age of Empires Definitive Edition. Donc sur PC, on est toujours sur la quête ou la campagne, la première guerre punique. Et on va aller découvrir un peu la mission suivante. Irrités par vos victoires en Sicile, les Romains ont envoyé le général Régulus attaquer vos terres natales en Afrique. Son armée menace désormais la cité de Carthage, tandis que la marine romaine s'approche pour imposer le blocus de nos ports. Vous devez repousser ces attaques contre Carthage et inverser le cours de la bataille. Puisse Baalamon nous protéger et nous accorder la victoire. Objectif, détruire la merveille romaine, construire votre propre merveille au centre de Carthage à l'intérieur des drapeaux bleus. Conseil, la force de mercenaires du soldat de fortune, Xantippe le Spartiate, peut être recrutée si vous parvenez à la trouver. Il n'est pas certain de détruire les ports romains, vous devez simplement empêcher leur flotte de détruire notre merveille. Utilisez les meilleures unités militaires du Carthage, comme les fantassins à épée longue, les galères incendiaires et les éléphants de guerre. Ok. Bon bah c'est parti, on y croit. On va se calmer. Oula, 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 oula. Comme d'habitude, la collection. Super, si je veux sauver mes bateaux, il va falloir que je dégomme du monde quand même. C'est bon. Vous là, vous venez par là. Vous là, ici. Toi, tu peux aller par là. Toi, tu peux me ramasser. Non, ramène-moi le bois. Toi, ramène-moi l'or. Ramène-moi la pierre. On n'a plus aucun personnage qui n'y arrive pas là, ici. Ok, c'est bon. F3, petite pause. Non, mais arrêtez avec Herman là, vous êtes chiant. Mais pour le coup, le mid-jean n'a pas été agressif une seule seconde, c'est toi qui es chiant, Lildark. Ça fait déjà 2-3 fois que tu te permets de faire des réflexions à n'importe qui sur le chat, j'apprécie pas trop, quoi. Bah, tout allait pas vraiment si bien que ça. Ouais, non, mais je te fais aucune réflexion depuis le début, Lildark. Mais, déjà, il y a Napta. Soit en arrivant, je sais plus à qui t'as fait une réflexion. Donc vas-y doucement, ça serait cool. Avec tes... Ouais, fais gaffe, toi. À menacer tout le monde comme ça. Te fous pas de moi, Lildark. Parce qu'on les a les archives, hein, s'il faut. Hé eh. C'est pas pour autant que tu dois t'en permettre de faire certaines choses, vigilant. On était où là? Eux, je sais pas trop quoi en faire pour le moment. On va les mettre par là, les bateaux. On va les ramener par ici si on peut. Toc. En espérant qu'il n'y a personne qui va leur tomber dessus. Là, on a un temple. Là, on a le forum de base. Ici, on peut l'augmenter si on récupère assez de bouffe. Et d'autres trucs, il va nous falloir pas mal de personnes qui vont récupérer du bois. Donc c'est parti pour du bois. Il faut que je construise cette merveille là, donc il faut que je construise une merveille entre les drapeaux comme ils l'ont dit. Donc ici, il va falloir que je protège nos éléments là.
Bah, l'idéal, c'est que vous n'ayez aucun souci tous les deux, ça serait bien. Du Dark. Vouloir comparer dans ce sens-là, je suis pas sûr que ce soit très utile. Doucement aussi le vigile. Et 100 de pierre. Par contre, on n'a pas énormément de bouffe, je trouve. On a encore 3 trucs qui peuvent servir. 1, 2. J'aurais pas assez de bouffe. Non, mais j'ai déjà plus ou moins compris le vigilant. Voir ça hier, avant, enfin pas avant-hier, mais hier, etc. Donc c'est pour ça que là je cherche un peu à mettre les points sur les i quand même. Dommage qu'on joue pas à Civilisation. Pourquoi tu m'aurais rétamé, c'est ça? De toute façon, je joue pas en multi. Pan. Toc, toc, toc. Ça pourrait valoir le coup de l'augmenter maintenant. Je sais pas par où ils vont arriver en fait, les ennemis. Civilisation 6, ça m'arrive de jouer en multi. On avait déjà fait une partie multi il y a quelque temps sur Civilisation 6 quand DJ Phantom me l'avait offert. Mais j'avais pas continué plus loin. Bien, je déplace cela un petit peu. On a combien de personnes qui récupèrent de la bouffe? 8. C'est pas énorme non plus. Bah, c'est juste que ça m'intéresse pas trop de faire du multi sur des jeux comme Age of Empire ou autre. Civilisation 6, j'avais joué, je me suis fait démonter. Mais pas par les adversaires joueurs, par les adversaires non joueurs. Pas plus que ça, je suis assez mauvais, mais j'aime bien ce genre de jeu. Donc, là, après, une fois qu'on aura terminé les missions d'Age of Empire, on fera Frostpunk. Puis après, peut-être Age of Empire 2, je sais pas trop dans quel sens on va partir. J'aimerais bien refaire les Black and White aussi. J'ai jamais fait le premier en entier. Et le 2, j'ai jamais fini, parce que la dernière mission, elle est militaire, alors que je joue tout le temps pour convaincre les ennemis. Bah, je sais qu'il est sur le Game Pass, et je sais pas combien de temps il va y rester, donc ça m'embêterait en fait de passer à côté de Frostpunk, que j'ai jamais fait, alors qu'Age of Empire 2, j'y avais joué un petit peu. Tu lui vois un culte? J'aimerais trop qu'il sorte un 3. Déjà, le 2, je suis tellement dégoûté, parce qu'à chaque fois, il faut le pirater et tout, maintenant, si tu veux y jouer, c'est chiant. Ben Peter Molyneux, pour moi, s'il faisait pas autant de promesses non tenues, il aurait une réputation de folie, en fait. Parce que le seul problème, moi qui ai découvert Fab sans jamais avoir entendu parler des promesses de Peter Molyneux, j'apprécie énormément le jeu. J'ai découvert avec que des petits plaisirs, en fait, tu vois. Sport m'a déçu sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai adoré le début, j'adore la soupe d'Orio, je sais plus comment ils appellent, le bouillon original, et même les jeux de chez Bullfrog, etc. C'est des jeux que j'ai découverts alors que j'en avais jamais entendu parler avant, que ce soit dans les promesses ou autre, donc... Mais c'est vrai que quand tu lis les interviews, les machins, ou ce qu'il a fait avec Godus et tout, et le truc des blocs, ou ce qu'il a promis aux gens qui détruiraient le dernier bloc dans son jeu là, tu te dis waouh, mais ça va être génial en fait, et pas du tout. Il est très très bon, tu sens qu'il y a toujours un truc en fond, mais qu'il va pas jusqu'au bout, comme s'il avait pas le temps, ou je sais pas. Bah je pense qu'en fait, c'est pas qu'il est dans la com, c'est qu'il est un peu trop rêveur. Et du coup, de par ce fait, il a un souci, à chaque fois qu'on lui pose la question, il est comme moi, tu as envie de faire plein de trucs, sauf qu'il se rend pas forcément, comme je dis, il a les envies plus grosses que les capacités, ou le temps pour les accomplir. C'est comme ça que je définis ma façon de faire les choses, au final. C'est qu'entre tout ce que j'ai envie de faire et tout ce qu'il est possible de faire, c'est un peu trop compliqué. Donc je pense vraiment que quand il annonce,
Il sait que c'est possible, mais il a juste pas le temps de le faire en fait. Mince, je suis trompé. Faudrait que j'augmente ça quand même. Où est-ce qu'on se fait attaquer? J'arrive pas à voir. Brrr. Il fait pas chaud. On va en renvoyer un là. Faudrait si possible que je construise des tours. Que je fasse gaffe aussi, aussi ça va, j'ai assez de maisons, on est bon. Godus, en fait, je l'ai acheté dès qu'il a été annoncé. C'est-à-dire pendant qu'il était encore en développement, machin chose, quoi. Quand ils l'ont annoncé, paf, dès que la page a été ouverte, j'ai acheté. Parce que ça me vendait du rêve et que j'avais adoré les jeux précédents de God Game de la part de ce monsieur. Mais le problème, c'est que... bah voilà, quoi, je me suis... j'y ai joué. Et comme il y avait des mises à jour, en fait, au bout d'un moment, ça a bugué ma partie, j'étais coincé, je pouvais pas avancer plus loin. Et je l'ai laissé de côté. Puis là, j'ai recommencé une partie il y a pas si longtemps. Et j'ai beaucoup aimé. Encore, mais ça reste très très loin, parce qu'à la base on devait pouvoir partir dans l'espace, machin, et avoir des trucs de folie, en fait ça n'a pas été fait, quoi. Donc c'était où? Non, c'était pas là. Faut que je fasse de nouveaux bateaux parce que... pas aller bien loin, ça. Il y a plein de trucs de bouffe un peu partout, là. Faudrait que j'aille poster des... J'ai une envie folle de prendre un péon. Pas celui-là, pardi. Tiens. Et... fais-moi un péon, s'il te plaît. Où est-ce qu'ils vont? J'aimerais bien éviter de les mettre trop... Voilà, ça me paraît pas mal. Toc. Toc. On va les ramener par ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, le post-it. A plus. Il est où mon péon? Normalement, j'ai celui-là qui fait rien, d'accord. Donc on va l'envoyer là-haut. Lui, c'est bon, il a trouvé autre chose à faire ou pas? Ouais, c'est ok. Ah d'accord, ils ont débarqué comme ça, eux. Ah bah super. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, on reposera s'il faut, mais... Si je peux essayer de les atteindre comme ça, ce serait pas mal.
Dommage. Bon, c'est pas grave de perdre plein de monde comme ça, on va faire avec pour le moment. Donc, faut essayer de construire des défenses parce que... Je crois que même lui j'ai perdu là. J'aime bien qu'à lui tout seul il va réussir à dégommer une tour. C'est sympa. Ça devrait être bon. Du coup, il va bien falloir, je pense, à me faire les défenses. Ce que je voulais faire, c'était partir là-haut et essayer de construire des murs. Pour être le plus tranquille possible. J'espère qu'il n'y a pas de tomber des trucs dessus. On verra bien. Cela tient encore la route. Il serait bien aussi que je puisse monter de niveau. Donc au pire là. Si je peux bloquer l'arrivée des gens ici, ce serait pas mal. Si on soit attaqué. Ça. Eh ben, je ne vois rien. Ou alors j'ai raté un truc quelque part, je sais pas. C'est là que ça attaque. Non, non, mais il l'a déjà fait avec, chez nous aussi, le Légion. Donc, je suis au courant qu'il fait ça. Il l'a fait avec Napta chez nous. Bon, en général, j'évite de bannir parce que je trouve ça idiot, mais... Je préfère vous laisser bloquer. Et moi, croire en l'humanité et me dire que les gens sont capables d'évoluer. Ce qui, en général, mène à une déception, mais... Je sais pas, j'y crois encore. Non, c'est pas de bêtises. C'est bien capable de s'enfermer, celui-là. Donc nos murs c'est ok. Là. Si on peut essayer d'augmenter ça, ce serait pas mal. Alors attends, j'en ai perdu un du coup, bateau de pêche. Ok, c'est pas grave. Par contre, il faut vraiment que je leur fasse une armada. Non, on va faire pas avec la pierre. Non mais qu'est-ce que je fais moi? Toc. Pour un maximum de gens qui travaillent. Mais on va le laisser terminer. On va mettre une ou deux machines à côté au cas où s'il faut. Pour que ça calme.
Non, 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 ça sent pas bon, ça sent pas bon. Pas bon du tout. Pas bon du tout, du tout, du tout. Attaquez-moi ça, s'il vous plaît. Tellement lent, ils savent tellement tous pas viser, quoi. On leur fait rien, en plus en dégâts, mais rien. C'est impressionnant. J'aime bien pouvoir faire des balistes, mais je peux pas encore. On n'a plus personne qui ramasse du bois déjà. Ah, je l'avais pas vu cela là-haut. Parfait. C'est mince. C'est chiant de perdre des unités comme ça là. Des bêtises. Faut peut-être une tour ici aussi. Toi, qui est bien installé, viens là. Construis-moi une tour ici, s'il te plaît. Ok, donc ça c'est fait. Qu'on arrive à zigouiller ce mec-là. Et on va l'avoir, nickel. Eh bah donc c'était juste, hein. Alors faut qu'on remette des gens qui vont couper du bois. Est-ce qu'il y a un endroit où il y aurait plus de bois qu'ailleurs? Genre là. Placer une nourriture. Où est-ce que je me fais attaquer, là? Punaise. Pas être tranquille 5 minutes, hein. Cette protection là, il nous faudra qu'on détruise la, qu'on aille détruire la merveille là-haut, mais au moins on sait que les gens ne passeront plus ici, donc c'est toujours ça de prix. On va attendre que notre cher ami ici nous envoie tous les éléments dont on a besoin. Voilà, niveau suivant. Derrière nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter ça en trimmer. Ah, j'ai pas assez de quoi, de bouffe. On va déjà augmenter ça, mais ce qui serait pas mal avant, c'est ouf. Marché, c'est d'augmenter ça, je pense. Ça nous fasse utiliser moins de bois à chaque fois, ce serait pas mal. Oui, j'ai testé. Il était pas encore en version totalement sortie quand je l'ai fait, mais j'ai testé. C'était sympa. Mais ça a pas encore le goût de Black and White. J'ai pas encore réussi à trouver quelque chose qui me plaisait autant que le Black and White 2. Arriver par là, les rouges, c'est parfait. Encore. On va essayer de faire mieux petit à petit. Là, on va faire ça. Mais regarde la course que c'est pour essayer d'attaquer un truc, quoi.
Ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il y arrive. Oui, c'est un peu la créature. C'est pas simplement le fait de se trouver, d'être Dieu, mais le fait de pouvoir ramasser un arbre et des unités à ce point-là. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Revenez là, j'appuie pas sur mon bouton. C'est bon, on l'a eu. Nickel, on va revenir par là si possible. J'ai pu voir un point rouge dans le coin là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bon. Tout le monde revient ici, s'il vous plaît. Deux, on y est. Là, on va améliorer quand même les bateaux. Faut que j'améliore la puissance de ces choses-là. Ça aussi, il faudrait que je l'améliore. Eux ont quasiment terminé. Est-ce qu'on a des gens qui font rien encore? Eux, là, ne font rien. Donc ramassez-moi du bois, s'il vous plaît. C'est où qu'on soit attaqué, c'est là. Ouah, ça, c'est pas bon. Ah bah, ils l'ont eu. Faut absolument que j'arrive à améliorer les... Ça, déjà, mais on n'y est pas encore. Ah! Ça par contre c'est moins cool. Parce que s'il commence à attaquer avec ce genre de choses, ça va pas le faire. J'ai peur qu'en me déplaçant par là, j'ai ce que des ennuis. On leur fait tellement rien en dégâts. Qui sont tellement lents, ça va être long. Ça va être long, ça va être horrible. Ça, on va le développer. C'est pas grave, ça nous fera de la place pour déplacer nos unités. D'ailleurs, nos unités, serait peut-être pas mal qu'on les commence ici peu. Complètement mes tours, ça serait bien. C'est là qu'il faut que je fasse ça. 300, 100, c'est bon. Lui ne travaille plus là, donc ça serait pas mal qu'on l'emmène par ici, par exemple. J'ai l'impression que tout est méga lent, ça me perturbe. C'est horrible. Tu n'auras pas encore fini, bah non, mais en même temps, regarde. C'est extrêmement lent. Il faudrait que j'aille ramasser plus de bois ici. Comment ça j'ai pas assez de nourriture? C'est pas assez efficace les mecs, hein. Il va falloir faire mieux que ça.
C'est bon. Ça va là? Ce qu'il faudrait qu'on développe en premier peut-être. On va te pondre un maximum de gens qui font de la bouffe. Je me sentirais plus tranquille avec ça. Mais vraiment, on a 7 personnes qui font ça. Ok, d'accord. Eux, là, on va les ramener par là-bas. Toi, pareil, on va te ramener par là. Il y en avait 6, zut. Oh, mais... Ça donne tellement envie d'aller détruire leur port, en fait, à chaque fois. Ça c'est tellement long. Je vais pas essayer de plus. J'en avais envie à un certain moment et puis j'ai pas pris le temps. Voilà, encore une fois, ça en dit long sur ce que faisait Peter Molyneux, ce que fait Peter Molyneux. Là il travaille sur un nouveau jeu qui a l'air un peu dégueulasse de mon point de vue. C'est une histoire de fabrication, d'entreprise ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve que ça n'a pas la même magie, le même enthousiasme que ce qu'il fait d'habitude. Donc après, à voir, ça va être un jeu qui ne payera pas de mine et qui sera hyper sympa. Mais j'y crois pas trop. Je pourrais faire Légion, ok. Pas grave. Faudrait que je laisse 2-3 bateaux ici en fait, parce que j'ai l'impression que ça va durer des années. Oula, ça bug. On devrait être mieux là. Là ça va au niveau... Au pire, vas-y balance, toi là. Non, on devrait être bien. C'est bien l'armée de balistes. Oui, non, mais c'est ce qu'on va faire. T'inquiète, qu'on va y aller. D'abord, j'augmente les trucs pour que les tours. Oh là là, ça part en miettes et j'essaie de manger du gâteau. Pardon. Il va avoir le temps de me bousiller ma tour, les saletés, là. Ah, c'est quand même dommage, ils sont arrivés juste après la dernière flèche. C'est tellement la tristesse quand même. Prendre tout ça. Et après on se fait une armée de balistes. On se fait une armée de balistes, on va les poutrer tous les uns à la suite des autres. Ah mais encore, mais non, mais sérieux. Mais ils ont que ça à foutre.
Terrible. Tiens, mets-moi un pecno là ici. Une bonne envie, n'empêche. Une bonne crêpe, ça va être du jambon dedans, un œuf. Pourquoi pas de la béchamel et tout, des champignons. Ça donne quand même fichtrement envie. Toi là. Tu dois reconstruire une tour ici, s'il te plaît. Pour commencer. Et après, mon gars, on va se faire plaisir. Ah bon, on l'a pété, ça y est. Mais pourquoi il l'a pas suivi? Là-bas, ils font rien qu'à m'embêter. Ils sont méchants. Alors, tu vois la différence entre deux unités qui ont à peu près la même puissance, voire moi, normalement, j'ai plus de puissance qu'eux. Je pense à un 12. Non, on a 12 égalité. Vous voyez la différence? Lui, il me défonce parce que ses unités sont capables d'esquiver. Voilà, à force égale, on est forcément inférieur contre le bot. Je trouve ça horrible. T'es obligé d'avoir une force supérieure pour pouvoir les exploser. C'est bon, il a pas encore fini, mais non. Voilà, maintenant tu vas me reconstruire. Bien là. Encore. Galette. Ah, moi je me fais des crêpes, je me fais pas des crêpes machin de baignoire ou je sais pas quoi. Ou de sarrasin ou de sarah. Je sais plus ce que c'est. C'est quoi? Je connais pas les mots. Au secours. C'est bon, je récupère encore de l'or. Le bois là-dedans, ça marche. Eux, là, ils ont foutu, ils ont plus rien. Donc, il faut la pierre. La pierre, je l'avais vue ici. Là. Oh, mais sérieux. Allez, m'attaquer ce que t'as pu, s'il vous plaît. Parce que là, ils vont bousiller une tour et je pourrais rien dire, voilà. Sérieux, ils choisissent ce moment-là pour débarquer? Mais non! Mais non, mais non, mais non, quoi! Oh, c'est frustrant! T'as l'impression que les choses se passent jamais comme il faut avec ça. T'y crois, et en fait, bon, tu te fais démonter. Tu dis, mais non, mais le jeu va pas nous faire ça, il est pas si bête. Ou si intelligent. Eh ben si, il le fait. Et il le fait même tellement bien pour nous pourrir. C'en est tellement frustrant. Ça donne des envies de meurtre, non? Comment on perd 2 tonnes de bois pour des idées bizarres, quoi. Tiens, augmente-moi ça, augmente-moi ça. Voilà, augmente-moi ça tant que tu peux aussi, vas-y. Toi. Va me réparer ça. Et toutes les autres fermes. Non, là, il y en a une encore qui est pas bonne. Ah, sérieux? Qu'on me laisse terminer mes affaires, Roméo. Oh.
ficelle picarde. Crêpes salées avec jambon, champignons, béchamel et mentale, et pour ces bretons, je peux pas s'appeler crêpes salées mais galettes. D'accord. Sur ça hier, alors que c'est une crêpe comme une crêpe normale, elle a la chandeleur et pas du blé noir. Le fait qu'elle soit salée, c'est juste que tu lui mets dedans, d'accord. C'est rigolo les choses comme ça qui se mettent en place au niveau des noms et tout. J'aime bien ce genre de détails. Sinon on est où là? On en a bientôt 3. Parfait. Par contre j'ai plus du tout de bois, comment ça se fait? Ah parce que j'ai pris plein de trucs qui réclamaient du bois sûrement. Normalement ils en ramasseront plus. Je sais pas si la production change. Voilà, des armes plus puissantes que l'heure et on a des chances de se faire ramasser quand même, tu vois. C'est d'une violence, je trouve, d'une violence. Ensuite, ça on s'en fout pour l'instant, on n'a pas besoin, parce qu'on va faire une armée de comme d'habitude. On se fait attaquer ici? Tu sais quoi? Regarde, fais ça. On se sent un peu plus tranquille. Là, si on passe assez vite, ça va être embêtant. Toc. Bah, surtout, réagissez pas, les autres. N'attaquez pas cette chose merveilleuse. Ah bon, insuffisant pour retaper ça, d'accord, c'est pour ça. Ok, maintenant on va attendre un peu. Déjà avec ça, je me sentirais plus protégé. Normalement, à la fin du truc de bois, je pourrais développer Héliopolis. Donc on va attendre un peu, puis après on va aller défoncer, d'accord? Bon, mais il est temps de récupérer un autre gâteau. On avance là. On va trucider la boîte. On n'aime plus. Donc tout le monde sait que quand on n'aime pas son mari et sa femme, il faut s'en débarrasser. D'une manière ou une autre. Pourquoi se contenter de 50% dans un divorce quand on peut avoir les 100 plus assurance vie?
Au meurtre. Qui a parlé de meurtre? Tu as parlé de meurtre. Je n'ai jamais parlé de ça. Il y a eu toutes deux façons différentes de faire disparaître quelqu'un et pas forcément le meurtre. Il faut 1000 de bois. Ça va être chaud. On va avoir tellement de gens qui ramassent du bois, ça va être terrible. Ouais, passant des Héliopolis. Ah, j'avais pas vu qu'il restait plus de catapultes. Que la catapulte était morte ici. Je suis sadique. Vous êtes terrible. On va jamais s'en sortir si vous parlez trop de bouffe. On va tous mourir l'atroce souffrance, etc. Mais s'en sortir, je suis pas sûr. C'est vert, c'est horrible ici, parce que t'as l'impression qu'il y a de la forêt. Alors qu'en fait, non du tout, c'est une mauvaise blague. Ah mais j'ai pas assez de bouffe non plus. Un peu plus de bouffe, s'il vous plaît. Allez les gars, il manque pas grand chose. Hop là, c'est bon. On y est, tout va bien. Il doit être tellement loin pour aller chercher le moindre centimètre carré de bois, quoi. D'un truc de bois à un autre. C'est horrible, quel manque de respect. Et comme d'habitude, personne réagit. On pourrait se faire tuer, ça changerait rien. C'est bon? Yeah baby, récupérez-moi du bois. On a déjà plus de bois. Quelle horreur! Bon, je peux faire que 11 de plus, hein, donc... Ah non, 10 de plus. Donc ça risque d'être vite calculé.
Là, c'est bloqué. Ben tiens, qu'est-ce que je disais? Ah, eux, ils ont profité pour accélérer ici. Ah, cette galère. Je pense qu'on en aura assez là. On devrait être tranquille, non? Tout confit là, bien dormi? Tu vas seulement te voir arriver, je râlais encore comme d'habitude. Je pense que d'ici peu, on aura exactement ce qu'il nous faut. Là, normalement, tout est bien. Voilà. On y est habitué. Oh, ça mignon. T'as bien dormi quand même, j'espère. T'es prêt pour ce soir? Quoi, on se fait attaquer encore? Oh là là, mais ils réagissent pas. S'il vous plaît, réagissez un peu. Non, ce serait pas cool de réagir. Pardon, je pensais que vous sachiez faire, vous saviez faire. Hop là, et là il en reste pile 3. Et ça sera notre unité numéro 3. On est à 10 machines là. 10 machines, ça me semble parfaitement réglo et correct. Je pense qu'on va pouvoir commencer à y aller. On sera à 13 machines au total. Une de plus, ça y est. On a 16 personnes qui coupent du poids. Et toi? C'est maintenant que les choses vont se jouer. Allez camarades, partons à l'aventure! Allons découvrir des monts et merveilles extraordinaires! Nous avons besoin de savoir exactement ce qui se propose ici. Venez, chère machine! Dépêchez-vous de vous déplacer par contre, sinon ça va pas le faire. Oh, comme c'est rigolo, on se fait encore attaquer et personne ne réagit. Oh là là, mais non, non, regardez-les, le pathfinding. Oh, c'est bon, viens là, toi. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre eux, là? Elles me font de la peine, des fois, hein, les unités. Je sais pas quoi vous dire. Mais regardez-les, c'est pas croyable, ça. Hein? Qui s'est dit que c'était une bonne idée? Hein? Qui? Bon, pas les deux, pas les deux, pas les deux, pas les deux, pas les deux. Les deux restent là-bas, les deux restent là-bas. Les deux restent là-bas. Ici. Oh là là. Non. Ma vengeance sera terrible. Mais elles sont tellement idiotes ces unités. Regardez-moi ça un petit peu. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec des brains que pareil? Je pense qu'ils l'ont déjà dégommé, d'accord. Ça me rassure, j'ai eu peur.
pile dedans, c'est une horreur. Passer par là-haut, tiens. Par là, là. Ils ont l'air de venir par là-haut, les mecs, donc on va aller voir là-haut. Oh là là, mais regardez-moi ça! Mais au secours! Qu'est-ce que moi je fasse contre ça? Hein? À quel moment, moi, j'ai demandé à ce que elle fasse demi-tour? Eh bien, exactement, vous le voyez, je ne l'ai pas demandé. Je me dis que ça vaut le coup d'y croire, hein, puis après j'y crois plus. Mais c'est pas grave, on va quand même terminer. Non, 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 elles vont se rentrer dedans, ce qui fait qu'elles vont toutes crever, voilà. Ah, je les déteste. Je les déteste, il y en a une autre en plus derrière, là. Vas-y, vas-y, mais tire-toi. Oh là là, elles ont même pas été capables de la voir, quoi, c'est incroyable. Okay. Regarde, elles arrivent pas à se déplacer, du coup elles crèvent. C'est tellement de la... Je trouve ça incroyable que ce soit débile à ce point, en fait. Leurs unités. J'arrive pas à retirer mon gâteau. Ça me donne des envies. On était 13, on est 7. Voilà. Félicitations. Évidemment qu'on termine le jeu Skull Pathfinding, quoi, j'en peux plus. C'est ridicule au possible. Tu peux rien faire de sérieux avec ça, quoi. Déçu quand je vois ça, mais tellement. Et là on va tous se faire démonter parce qu'elles vont pas être capables de réagir. Frostpunk, que 5, ils en ont eu 2. Oh mais non, non. Pourquoi elle bouge pas, elle? Le désespoir. Ah, c'est frustrant. Tu pars avec 13 unités, t'as de l'avance, t'es bien, t'es tranquille. Ben non. Le jour décide autrement, genre vas-y, on va bien te pourrir. C'est vraiment pas croyable, trop. Hein. Ça me désespère tellement quand je vois ça. Non bah c'est foutu là, voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Oh mais c'est tellement de la frustration à l'état pur ce jeu. C'est punaise, bah ça dépend de combien de personnes cliquent dessus. Si t'as beaucoup beaucoup de monde pour les clics, oui ça aide, tu peux gagner quelques euros sur le mois. En plus, tu feras pas un salaire hein, mais... J'en peux plus quoi, de ce système de... Il est naze. Wow. Mais... On se calme ici tout aussi normal. Mmh.
Je sais plus à combien je suis. Depuis que je l'ai installé. C'est moins de 100 euros, hein, mais. Si les gens y pensent, se font régulièrement, ça fait toujours des entrées d'argent quand même sympathiques. Toujours mieux que rien, quoi, comme on dit. Pendant longtemps, j'ai été sur Dailymotion. J'ai eu un contrat d'exclusivité. Donc, j'avais pas le droit d'aller sur la plateforme. Mais je sais plus, en 2013, 2014, 2015, en fait, il y a des mecs des chez Daily m'ont dit ouais, c'est bon, laisse tomber. Et j'ai commencé à aller sur YouTube, mais du coup, j'y suis depuis peut-être 2014, 2015. De quoi, ah, c'était toi? Donc je suis arrivé tard sur YouTube. Mais non! Mais au secours, il y en a marre! Comment on perd un temps fou? Oh ça va, ils sont barrés au pire. Ça, écoute, on verra bien ce qui va se passer. Mais les questions, qu'elles soient candides ou pas, ça reste des questions, c'est pas idiot. Sérieusement leur truc. 61, faudra qu'on ramène plein de monde là-bas. T'as pas honte, tentatrice. Je suis révolté, révolté tout matin. Non, non, réagissez. Il y avait bien qu'il y ait une balise qui se ramène. Là. Non. Oh là là, mais. Au secours, j'ai des unités dégueulasses. Si je suis pas pile sur mes unités, elles font que de la paille, quoi. C'est quand même terrible. Je vous le dis, moi, c'est terrible. C'est déprimant, en fait. De devoir toujours faire attention au moindre machin. Alors qu'eux s'en foutent, mais royalement. J'en ai perdu une? Non, c'est bon. Pas les chats de l'air. Hop là, on va attendre. On va finir par y arriver, hein. Je pense qu'un jour ce sera bon. 7h55.
on va les épuiser. Il faut pas oublier qu'il faut qu'on détruise la merveille qui est juste là, là. On voit bien qu'il y a des unités pas très sympas ici. Ah, ils m'en ont quand même bousillé une. Je sais pas d'où. Peut-être que c'était ça. Tu vois, si tu les quittes des yeux 2 secondes, c'est foutu. De nouveaux bestioles qui arrivent. 9, on sera à 10 là s'il n'y avait pas eu de soucis. Il m'en reste qu'un seul. Ils ont dégommé tous mes autres bateaux. Ok. Non, 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 et renom, s'il vous plaît. Ah bah si, ils en ont eu 3. Punaise, je les ai quittés des yeux 2 secondes. Non, mais j'en ai marre, c'est chiant. Je pourrais passer ma vie à surveiller à Fagarderie, quoi. Il nous en reste 6. Waouh. On était à 9. Ah, c'est magnifique, on a perdu 3. Extraordinaire. Et non, là, il y a carrément des catapultes, tout va bien. Il passe à sa vie à surveiller l'un. Non, 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 mais bougez-vous, les filles. Allez pas crever bêtement encore une fois. Faut tout leur dire. Tu peux te rendre compte de mon boulot comme ça. Quelle idée, quelle idée. C'est épuisant. Épuisant, les mecs. Je comprends pas, tu vois, quand ils ressortent des jeux comme ça, qu'ils retouchent pas un petit peu intelligence artificielle, qu'ils fassent pas des patchs, histoire qu'on ait pas le problème, que les unités partent pas dans tous les sens et machin. Que là on a quand même quelques-unes des unités, donc on va essayer de retourner là-bas. Allez voir ce qui va se passer, il y en a d'autres qui vont essayer de se construire ici. J'ai eu de la chance, le boulet c'est perdu. Dans le trajet. Prévoir. J'y ai pas du tout seul encore. Mais Schtroumpf quoi, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font ces unités de Schtroumpf là? Elles restent coincées au moindre truc, c'est ultra chiant. De toute façon c'est foutu parce que là le... Ça se demandait vraiment comment ils ont pondu le jeu. J'arrive pas à comprendre quoi. À quel moment ils se sont dit que ça allait être intéressant de jouer la garderie. Regarde, regarde, elle fait demi-tour. Pourquoi tu fais demi-tour? Pourquoi tu veux m'embêter, toi, à chaque fois, hein? Ah, là là. Pas croyable, ça, hein. Voilà, démontez-moi ça, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche, on va plus vite que ça. Il y en a une nouvelle, déjà, ouais. Bougez-vous le cul, hein, je trouve, quoi. J'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose dès que je vais fermer les yeux, là. Détruisez-moi ça. Et encore une. C'est bon, on l'a eu. Il y en a une qui a pété, quand même. Bon, on sait pas pourquoi, c'est fou.
Fais-moi ça vite fait là. Il n'y en a que 3 qui restent. C'est incroyable. Ça me désespère moi ça. Et ça me désespère d'autant plus que eux peuvent tout esquiver comme ça. Il y a juste nous qui avons un problème pour ça. Oh là là, oh là là, il y aura 2 tonnes de gens. On va Pourquoi elle est morte celle-ci? Ah bah parce que bien sûr elle s'est fait exploser par le reste. Mais oui, bien sûr. Pourquoi ai-je posé la question? Mais arrêtez de tirer sur des péons. Qui vous a demandé de tirer sur des péons? À quel moment quelqu'un vous a demandé de tirer sur des péons? Personne. Eh bah vous le faites pas. Ah punaise. Vivement qu'on soit dans le 2 et que le 2 ça nous dise hey, « Eh, il y a telle personne là. » C'est bien s'ils viennent les uns après les autres, ça va être parfait. Non, pas les péons. Oh. Rager sur ces unités. Mais c'est tellement désagréable, punaise. Tu peux rien foutre avec ça. T'es sûr que t'es destiné à juste t'en prendre plein la figure tout le temps? Alors que lui va être tranquille, il va faire du zigzag entre tes cartouches là et tu auras aucun problème avec ça. C'est bon, on a 2 de plus, non? Toujours pas? Si ça va arriver. Dégommez. Oh putain, ils ont des. Ils sont où? Il est où? Il est juste là, bah bien sûr. Dégommez-moi ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'avez pas une nouvelle? Pendant ce temps-là, les unités attendent qu'il se passe rien. Oh là là, ça me désespère, moi. Désespérant. Les autres, les unités entre elles. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas, on se fonce dedans. C'était rigolo, on s'est dit que ça ferait un super parc d'attraction. J'ai de la chance qu'il se fasse démonter avant. S'il vous plaît. La suite, pardon, c'est bon. Heureusement qu'on peut y arriver, hein. C'est juste que c'est long pour pas grand chose. On voit bien qu'on a la puissance de feu, que machin, que bidule, on a tout ce qu'il faut. C'est juste qu'à chaque seconde, bah, t'as l'impression que le PC fait des. Quoi, que la transficielle fait n'importe quoi. Elle restera bloquée dans un morceau de décor, et puis. Pendant ce temps-là, tous mes gars sont en train de se faire démonter en bas. Ah bah oui, c'est logique, pardon, j'avais oublié. Je vous dis, je peux pas les quitter les yeux. Jamais.
Hello MG Watt. Oui, ils ont plus rien à faire. J'ai l'impression que pendant que je suis en train de fermer les yeux, il va se passer des trucs horribles. Où est-ce qu'ils sortent là? Enfin! C'est pas là, il y en a plein qui se sont fait démonter, mais je crois que j'ai pas trop le choix en termes de puissance de feu hein, derrière. Faire comme ça, donc lui il sait pas où il va. Mais non plus. Allez, on va dégommer ça. On va essayer de dégommer la plupart des trucs qu'il va pas mettre de construire. Salut Lodi! Comment vas-tu? Ah, mais je me fais encore attaquer ici? Ah, bah oui, pardon. J'avais pas vu. Y'a un mec qui fait rien. Tiens, tu sais quoi, pour t'amuser, construire un autre truc ici. Ce sera rigolo. Défrisez-moi ça, s'il vous plaît, merci. Ça me désespère. Avec un grand dé. Il est déjà 8h du matin. Dans la zone, ça se trouve en fait tout là, c'est des ennemis qui arrivent. Bon, c'est avec ça, j'ai pas une armée de balistes assez puissante. Parce qu'il leur faudra. Y'a rien d'autre par là, c'est bon? On va aller voir la merveille, on va la détruire. Oh, ce qui leur tombe dessus. Par contre, c'est joli les animations quand ça s'écroule et tout. Et Jeff en période de lancer. Il doit être tellement meilleur Age of Empires 2 à ce niveau-là. Là, je pense que j'ai ce qu'il faut. Hein. Normalement, il n'y a plus de problème. On a 20 machines là. Si on n'y arrive pas. Il y a un souci. Il y a un souci, un gros souci. Ouh, ça va très bien, merci Lily. Heureusement qu'ils sont plus sages et qu'ils nous envoient pas ça dans la figure, hein, parce que sinon... Oui, ça sert. Normalement, tu peux en enchaîner à peu près 20-30 en ce moment. C'est surtout le site, c'est-à-dire si tu veux soutenir plusieurs personnes, il faut que tu en regardes peut-être 10 pour l'un, 10 pour l'autre, 10 pour le dernier, tu vois, si tu veux en soutenir 3. Même s'il faut se méfier parce que c'est peut-être pas. C'est aléatoire, en fait ça peut être 10 pubs par jour, des fois 30. Donc on sait jamais vraiment trop à l'avance comment ça peut se passer à ce niveau-là. Ça dépend.
Ça dépend des jours. Il y a des jours où il y a plus ou moins de pubs, d'autres moins. Ça veut rien dire. Il y a des fois il y a des plus, des fois il y a des moins. Ok. Merci. Non, 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 non. Non, pas ça. Je crois que c'est bon, je suis sorti d'auberge, mais non, pas du tout. On avait oublié la sacro-sainte catapulte. Comment passer de 20 à 4 unités? Bonjour. Ça s'appelle la catapulte contre les balistes. 4-3. Tant d'amour. Ah, que je t'aime. Il a plus assez de bois. Ah oui, c'est vrai que tous nos gens qui coupaient du bois sont fait triper, pardon. J'avais oublié Zeta qui m'a l'air forcément important. Thank you, Tinfit. You're welcome. Pas qu'elles sont pas capables de se déplacer, il y a un palmier si elles sont perdues quoi. C'est incroyable. On peut tellement pas compter sur elles. J'espère qu'ils ont pas un truc derrière pour produire des unités en quantité maximale, parce que sinon je vais être un peu embêté. Qu'est-ce que tu veux dire par là, le vigilant? Normalement on devrait arriver à la fin. Ça y est, un être de vaincu, parfait. On pourra être plus tranquille. Ah oh bah ça c'est pas grave. Vigilant. Si elles s'en sortent bien comme ça, écoute, tant mieux pour elles. Bah écoute, qu'elle en profite. Ça durera peut-être pas toute sa vie, genre de chat. Ouais, moi ça me dérange pas. Voilà. Je sais pas si c'est résine. Comme je dis, si les gens peuvent en profiter, ça fait de mal à personne en fait. Pas normalement.
Bon, on peut aller. Voilà, tout le monde passe. Je détruis sur les côtés parce que sinon, elles vont mettre des plombs, bah, essayer de traverser, tu vois, elles vont se cogner, on fait demi-tour, on fait n'importe quoi. Allez hop, ça c'est bon et on a fini. Il ne restera plus qu'à attendre que la note soit construite. Ce fut long et désespérant, ces unités. Bah ouais, mais c'est pas grave. Machin est vaincu. Bon bah il ne reste plus qu'à attendre. Que la nôtre, elle soit terminée. Bah, les mauvaises images, pas forcément. Elles sont toutes différentes. Et les mauvaises images, c'est plus de la jalousie en fait qui entraîne ce genre de conséquences. Enfin, qui a après. Une forme de jalousie dans le sens où t'as l'impression qu'elles font aucun effort, qu'elles ont pas d'effort à faire. Mais je pense que ça va être super chiant de faire ça. Yeah, baby! Vous avez gagné! Enfin! Enfin! Y'a aucun message sur la fin? Pourquoi y'a aucun... D'habitude, y'a un message, non? Non? Vous avez arraché la victoire aux griffes d'une des... Oui! Yes! L'armée romaine a été écrasée et Régulus est enchaîné dans votre tente. Ah, c'est bon! Nous avons appris que les survivants de la flotte romaine en fuite ont été pris dans une tempête et reposent. Je suis heureux, ça y est, après avoir tant râlé, je viens de finir Age of Empire, Rémi. Oui. Mais vous savez que les Romains ne se rendront jamais. Après avoir tant râlé cette dernière mission. N'avoir fait que retarder leur inexorable triomphe. Tu l'as tous les jours de la semaine à part du lundi au mardi, Mister Ness. Je m'accorde une nuit de pause du lundi au mardi. Donc je suis là ce soir. Très gênant, de quoi qui est très gênant? C'est un peu gênant. Comme je dis, t'as des gens que ça va gêner de voir des jeux vidéo, voilà, donc je me dis, après tout, il faut du public pour tout le monde, j'ai rien contre ça, sincèrement. C'est juste que... Encore une fois, c'est cette impression que c'est trop facile, tu vois, t'aider avec des boobs, hop, tu les montes sur internet, et hop, ça te rapporte plein de trucs. Mais en fait, je me dis que ça va avec plein d'inconvénients, ce genre de choses. Déjà, c'est la valeur que tu te donnes. Ensuite, il y a tout ce qui est harcèlement, machin, etc. Tu vas t'en prendre plein la gueule de la part des autres femmes, des autres mecs. Mais machin, tous les mecs qui sont pas d'accord. Des gens qui sont trop accros, qui te traitent comme une pute, ou ce genre de choses. Désolé pour le gros mot. Mais voilà. Donc je me dis que t'as quand même plein d'inconvénients à te comporter comme ça. Donc finalement, bah, c'est un boulot comme un autre, écoute. Hein. C'est bon. Yes! Age of Empires est terminé. Nous avons terminé Age of Empires. C'était donc la dernière fois que nous faisons du Age of. Pour plein de temps. C'est-à-dire qu'après on passera sûrement au 2, mais pas tout de suite. J'aimerais bien essayer un autre jeu entre temps. Et c'était bon. C'était bon, c'était bon. Malgré le... Ouais, mais encore une fois... Quand je dis la valeur qu'elle se donne, c'est une question de... On s'en fout en fait, on parlera de ça après s'il faut, pendant qu'on fera le Papercraft. Bref, coupons cette rediffusion, c'était donc la dernière sur Age of Empires, que je n'en ferai pas d'autres, à part peut-être si jamais je me remets à jouer au... en mode multi ou autre, mais j'y toucherai plus au premier, j'en ai ras-le-bol des unités. Vous l'avez compris dans cette vidéo, je pense que c'était vraiment bien que ce soit la dernière. Et les Total War. Les Total War, j'aime pas spécialement. J'ai essayé de faire Medieval 2, Total War, ou Total War, Medieval 2, je sais plus. Et il y a trop d'unités, trop de trucs, en fait, je trouve ça trop gros. Tu vois, j'ai besoin de quelque chose qui soit moins colossal à gérer. Dans mes souvenirs, c'est un peu comme ça. Peut-être que je pourrais apprécier, en fait, mais quand j'avais essayé, ça m'avait vite déplu. Bref, hop, on coupe ici. Donc, j'espère quand même que cela vous a plu, même si j'ai encore une fois beaucoup râlé, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des lives, tout simplement, des vidéos. On verra bien, parce que pas pour la suite du jeu, parce qu'il n'y en a plus. On va le désinstaller, aller voir Frostpunk à la place la prochaine fois.
Le jeu était ouf, ouais, mais comme on dit pour Assassin's Creed, en fait, c'est parce qu'il y avait, c'était grand, ça fonctionnait sur plein de choses, et c'est les petits défauts, ça pouvait t'agacer, mais il y avait pas mieux. Donc, comme on dit, comme le dirait si bien quelqu'un que je connais, qui me dit, tu ne peux pas manquer de ce que tu ne connais pas. Quand t'as l'impression que c'est le meilleur, le reste ne te manque pas. Et oui, bah de toute façon, tous les matins, Mister Noz, le jeu qu'on fait de 5h à 8h, normalement, c'est du jeu de gestion, stratégie. C'est un peu les deux. Pour les jeux d'aventure FPS, TPS, etc., c'est le début de soirée, de 21h à 2h du matin. Plateforme, bref. Bref. Du coup, voilà. Encore une fois, merci à tous. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Ou à tout de suite pour du Papercraft. Nous avons terminé Age of Empire. Ta-da! Pum 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 p